Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Axel, j'espère que vous allez tous très très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Nemesis Team. Pour mon plus grand plaisir, aujourd'hui ce sera vraiment une vidéo très particulière. C'est le premier type de vidéo qu'on vous présente sur la chaîne. C'est donc un bug vraiment épique qui est arrivé sur Infinite Warfare. Je pense pas que vous en avez déjà vu un auparavant sur Infinite Warfare. En tout cas c'est vraiment un bug énorme, je pense que vous aurez trop aimé que ça vous arrive à vous. Donc le gameplay nous parvient de Kaiser, donc un gros GG à lui. Il sera donc une Atomizer Strike sur la map pré-5 de la bêta d'Infinite Warfare à la NV4 répercussion, donc viseur Hello, chargeur grande cape, poignée et quoi d'autre déjà. Donc le viseur Hello, la poignée, le chargeur grande cape, le silencieux bien évidemment. Et voilà, gros GG au player, allez voir sa chaîne qui sera en description ou féliciter directement dans les commentaires. Donc franchement, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le bug va être vraiment épique. Je commente un petit peu en retard par rapport à la vidéo, j'ai laissé un petit peu le début de vidéo en musique parce que sinon tout cela aurait été trop long à commenter, parce qu'il y a vraiment une partie de ce gameplay qui est très intéressante, qui va vraiment vous faire sourire je pense, parce que c'est vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Je sais même pas si c'est arrivé déjà sur Black Ops 3 ou sur Advanced par exemple. En tout cas sur Black Ops 3 les gars, je sais vraiment pas si c'est déjà arrivé. Moi en tout cas j'en ai jamais vu auparavant sur YouTube, donc vraiment un truc de fou. Je suis hyper content de pouvoir vous présenter cette vidéo aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Dans le sens où bah, c'est vraiment un truc, je sais pas, c'est un bug que tout le monde aurait voulu avoir s'il était en série quoi. C'est incroyable, c'est un truc, c'est une deuxième chance qui lui a été offerte. Pour le coup, je vous explique un petit peu en disant ça, mais en tout cas voilà le moment où ça va se passer, c'est vraiment énorme. En tout cas je vous garantis que la vidéo c'est pas du tout un fake, hein, c'est y a aucun montage, vous pourrez voir sur le moment même. Je tiens à dire qu'on va envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires, donc code QG entre autres, la code FR, etc. Donc vraiment un grand merci à eux s'ils nous upload, ça nous fait vraiment plaisir de partager cette vidéo avec la communauté parce que c'est vraiment un bug très intéressant à voir. Surtout que je pense pas que c'est déjà arrivé sur Infinite Warfare. Enfin, peut-être que je me trompe, mais en tout cas voilà, pour moi c'est vraiment la première fois que je vois ça. Dites-moi votre avis dans les commentaires si vous en avez déjà vu, si ça vous est déjà arrivé, peut-être, hein, ça peut, hein, c'est possible. Si c'est déjà arrivé à ce player, ça peut vous arriver à vous. En tout cas, vous pouvez pas savoir de quoi je parle pour l'instant, c'est normal. C'est parce que vous savez même pas en fait le bug qui est arrivé. Maintenant le bug va bientôt arriver. Là on va arriver en début de première manche. Il se passe en début de première manche ce bug justement. Donc là. Voilà, c'est à partir de maintenant qu'il faut être concentré. Voilà, il a eu sa médaille à partir, donc il en reste encore 5 qu'il a à faire pour la nucléaire. Et là, regardez ce qui va se passer. C'est un truc. Bon, d'accord, là c'est chiant, d'accord. Il va se faire tuer, voilà. Il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer, Biskin, mais voilà, les gars, après, ce qui va lui arriver, c'est incroyable. Donc, ils sont arrivés deux en face, ils l'ont tué en même pas 2 secondes. Donc, voilà, c'était un petit peu obligé en même temps. Et donc là il a réagi, il m'a dit, il a posé la manette et tout. Et là, regardez ce qui se passe. Et ouais les gars, voilà, je vous ai fait un petit zoom vite fait parce que faut vraiment que vous voyez ça. Donc si vous pouvez, retourner en arrière si vous n'avez pas très bien vu. Et ben le compte à rebours a continué, c'est un truc de fou. C'est vraiment le bug le plus épique que j'ai vu jusqu'à ce jour sur Infinite Warfare. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous est déjà arrivé ou quoi. Vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir s'il y avait d'autres ce genre de bug sur Infinite Warfare, si ce n'est pas arrivé que à Kaiser, donc le player. Donc après, bah, je pense qu'il n'a pas compris en fait. Je crois qu'il n'a pas compris que le compteur était en train de continuer. Je pense qu'il était hyper content, mais en même temps, il n'a pas dû comprendre. Tu sais, il s'est dit, je suis mort ou pas. Il n'a pas dû comprendre, je pense. C'était vraiment compliqué à comprendre ça. Surtout si c'est jamais arrivé, surtout sur une bêta, ça fait un petit peu spécial. Tu te dis, t'as raté ta nucléaire, ok, bah c'est bon, c'est mort. Normalement, le mec il rage kids. Et bah non, et franchement, il a bien fait de pas rage kids, de continuer. Parce que sa série elle a continué tranquille, comme s'il n'était pas mort. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Il a dû avoir un bug. Peut-être que sa mort n'a pas été enregistrée. En tout cas, il s'est fait un petit spécial distrait apparition à la Black Ops 3 au calme. Il a paru tranquille pour continuer sa série. Je pense qu'il a vraiment dû être extrêmement content. Donc voilà les gars, le gameplay va bientôt toucher à sa fin. Il va bientôt débloquer son Atomizer Strike.
Il me semble qu'il lui reste. Ça va être affiché à l'écran. Il va lui rester encore. Ah bah non, il a. Ça y est. Il a son Anatomizer Strike, les gars. Donc il va la balancer. Vous allez voir, c'est vraiment pas un fake. Ça, on peut pas le faire en montage vidéo, je pense. Ça serait vraiment trop compliqué. Donc vous pouvez revenir hein, au moment si du bug. Si vous n'êtes pas sûr de ce gameplay. Vous pouvez voir que les points de demi seront avancés régulièrement. Que c'est les mêmes players dans la game, etc. Et je pense que quand même à cette époque du jeu, il n'y a vraiment pas de salon, genre de lobby, des trucs comme ça, comme sur Black Ops 3, des bugs, etc. Donc c'est vraiment un bug qui vient d'Infinity Ward, des serveurs, etc. Il y a dû y avoir un problème, hein, ils n'ont pas dû enregistrer sa mort. Donc vraiment, n'hésitez franchement pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'ai vu qu'on montait assez rapidement en abonnés en ce moment, ça nous fait plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, d'ici là portez-vous bien les gars, c'était Axel. Allez, ciao tout le monde.